بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغرب أما بونسو مثلو فضاء بوار سرطان برسير ولاتيف وكفر شوعي دو لزابل أصحاب وليك إلو مال ربوندو à ce prophète féminin que la paix d'Allah soit sur lui. Ils l'ont répondu d'une façon impolie. Il dit وَعَوْفُ الْكَيْلَ لَا تَكُونُ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. دونك سو بروفيت لا vraiment un prophète de grand caractère, il est brave, il est courageux, il est patient et il sait ce qu'il dit parce qu'il est un messager de Dieu, que la paix d'Allah soit sur tous les messagers, tous les prophètes. Donc il sait ce qu'est sa mission, c'est la transmission, ni plus ni moins. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut être juste. Faut pas disqualifier les gens, faut pas mésestimer leurs affaires, leurs propriétés, etc. C'est tout à fait logique pour avoir une société saine, une société comment dire, où il y a de la paix, où il y a de le bon vivre, etc. Il faut des moyens, un minimum de justice. Donc la températion CHAM, c'est-à-dire si telle chose a certaine valeur, donner cette valeur-là pour l'avoir. Il ne faut pas vraiment faire le mauvais tour, etc. Donc c'est tout à fait logique de dire ce que Shuaib a dit, que la paix d'Allah soit sur lui. Aoful Kaya, voilà Chakoulou Mouxini. Non, il ne doit pas être une partie fixe, c'est-à-dire lorsqu'il achète. Ils veulent que la quantité soit maximisée. Et lorsqu'ils vendent, il faut minimiser. Donc c'est du vol. Du vol dans la première partie, du vol dans la seconde partie. Donc un vol double. Comme les sataniques. Comment dirais-je, israélite, la majorité, c'est comme ça. Et l'usure, c'est quoi? C'est du vol aussi. C'est du vol à l'esclavage et au racisme, etc. Aoful Kaila, la Tchakoun, le Moksirin, Wazilou, le Kastas, le Moustakim, la Tchakoun, le Sachéan, voilà, Tchadou, le Moksirin, ne soyez pas des corrupteurs qui sèment la zizanie qui sème le mal. C'est-à-dire, soyez pieux, soyez dans le droit chemin avec votre Dieu qui a créé les générations antérieures. Voilà ce qu'ils ont répondu, vous êtes, tu es ensorcelé. Tu n'as pas, tu es un magma, tu es un majnou, tu es parce que tu es sous le joug d'une magie. Vous voyez comment il traite les prophètes que la paix d'Allah soit sur eux. Bon, c'est toujours le comportement des Israélites, ça. On a un cas, il va sur le mec, vous voyez comment il raisonne. Tu n'es qu'un mortel parmi nous. Tu n'as aucune autre chose qui peut te donner cette qualification d'être un leader, d'être un meneur. On a un tel, le bachelor, maintenant, on a un bon cas, l'amener à le calibrer, puis par sur le marché,
هناك مونتر ماشي في مونتر وإن ظنوك لم الكاذبين فأسخط عليك من السماء إن كنت من الصادقين إذن فيها شالانج دونك إذن دي فيه سي دو تي سكو تي دي فأسخط عليك وإن ظنوك لم الكاذبين فأسخط عليك من السماء إن كنت من الصادقين سي تي فري تي فول دي مونتر كو تي ديك فيه كون باش دي سيال توم سور نو Et dans le Welsh, une partie dans d'autres, comment dire, citations du Coran, il y a des pièces, pieces, abscales, c'est-à-dire ou bien le singulier ou bien le pluriel. Parce que rien qui s'appelle Kisfan, Kisfan c'est le singulier, et qui s'appelle c'est le pluriel. من السماء إن كنت من الصادقين في إبراهيم بنيدي قال ربي أعلم ما تعملون ما يتبعون كم يفو Dieu seul connaît ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous cachez, qu'est-ce que vous mijotez, etc. قال ربي أعلم ما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم Donc ils l'ont rejeté, ils ont nié ce message-là c'est-à-dire ils ont mérité le châtiment du jour du nuage parce que il y a certains jours où la température a monté très haut et ils se sont réfugiés sous le nombre de nuages dans le but de se rafraîchir. Or c'est pas vrai, c'est un piège voulu par Dieu, tendu par Dieu, parce que comme ça ils vont voir le feu qui va descendre, le kisef, ce kisef ou ce kisef va vraiment être une réalité. Yom Dhulla, innahu kana adhab yom adhim, il a été un jour de châtiment très féroce, très douloureux, très sévère, très dur. Inna fi dhalika la ayatan ma kana akthar al-mu'minin. Et dans ceci, il y a un des signes de ton Dieu, et la Bible qui cette histoire-là, et la Bible que la ayat et la majorité des gens, que ce soit ce peuple-là ou n'importe quel peuple, la majorité, ce sont des gens païens, des gens infidèles, des gens mécréants et insolents. Et toujours la vérité qui se répète dans le Coran, et ton Dieu, c'est le seul qui est victorieux, qui est le tout puissant, Rahim et le clément et le miséricordieux. Et ce Coran-là, Dieu l'a fait descendre de sa part. Rabb al-Alami, c'est-à-dire le maître de tout le monde, de toutes les créatures. Nazla bi ruh al-Ami, et puis l'ange, l'archange qui a fait ça, par la volonté divine et par la permission divine, c'est Gabriel qu'on appelle à la source du livre, c'est l'œuvre à la mutaba al-Huda.